c'est une entrée dans le 21e siècle, c'est évident. La période que nous venons de vivre et que nous vivons encore montre que l'outil de travail doit être profondément transformé, y compris les locaux. Donc ces espaces ouverts et de communication avec la promotion du télétravail. C'est vrai que la promotion interne, Gentil y est extrêmement attachée et cette année en est encore la preuve puisque nous avons promu Johanna Knorr-Tudol et Bertrand Barrier qui sont également une preuve de l'activité internationale de Gentil puisque Johanna travaille en 5 langues en arbitrage, que Bertrand Barrier a en charge la direction du bureau de Kiev. Donc ce sont des jeunes qui sont extrêmement dynamiques et internationaux. L'international pour le cabinet Gentil, c'est son activité d'abord. Nous avons plus de 50% de notre clientèle qui n'est pas française et l'ensemble de nos avocats travaillent en permanence en anglais sur des dossiers cross-border. Au-delà de cette pratique internationale qui est historique pour le cabinet, le cabinet dispose d'un certain nombre de bureaux dans les pays de l'Est notamment et en Afrique, avec des équipes africaines basées à Paris. Bonsoir à tous, Thomas Picot du cabinet Gentil. Très heureux de remettre ce soir le trophée d'or dans la catégorie Direction des affaires publiques et des relations institutionnelles à la société Air Liquide. Bonjour, je suis Laurent Dublanchet, directeur des affaires européennes et internationales d'Air Liquide, donc en charge des affaires publiques. Je suis très, très heureux d'être ici avec vous pour recevoir ce prix. C'est toujours un plaisir et un honneur de se voir récompensé pour le travail qu'on a effectué, et a priori encore plus dans cette période où on se voit remettre un prix en main propre. J'ai pris cette fonction il y a un peu plus de 2 ans, construit une équipe à Paris et à Bruxelles pour intensifier le dialogue avec les pouvoirs publics, et donc je suis bien sûr très heureux de voir ce travail récompensé aujourd'hui par ce prix. Merci beaucoup.